Je m'appelle Eric Keke, j'ai monté l'Académie des Arts de Combat, ça fait bientôt 25 ans maintenant. Je dis franchement super. Qu'est-ce que vous avez pris? On a pris un peu de boxe de rue, après là on a fait là c'est vraiment boxe française en général. Ça se déroule bien, je suis un grand fan d'Eric. Eric, c'est le fondateur de la DAC, l'Académie des Arts de Combat, où le Club Défense Tactique est affilié. Avant tout, un très très grand pédagogue, à l'écoute des gens et une grande grande connaissance. Lié autant parce que c'est un ancien professionnel de terrain et un ancien compétiteur. Et encore une fois, ça, pour nous, c'est exactement ce qu'il nous faut, à savoir l'accueil et la pédagogie d'un ancien compétiteur et le professionnalisme d'un ancien de terrain. Un très bon stage, il y a, et pour les débutants, parce que moi je suis débutante, et il y a une vraie entre les deux, enfin on distingue bien les deux pour les plus anciens, les débutants, enfin, c'est vraiment scindé, donc vraiment apprendre les bases. C'était le but aussi, d'avoir les bases, l'intervenant est très, très à l'écoute, très pédagogue, il explique bien tous les mouvements à faire, bien les différents exercices, le déroulé, les gestes. Et je pense que pour apprendre la technique, pour apprendre les bases, c'est assez intéressant pour repartir après sur les cours, compléter ce qu'on fait au quotidien. Pourquoi vous faites ce stage? Alors je passais régulièrement devant la salle. C'est écrit défense tactique, donc ça m'intriguait de temps en temps, mais je me disais bon. Et puis un jour j'ai vu qu'il y avait un stage à Verre, donc je me suis renseigné, mais je ne pouvais pas le participer, c'était pas vraiment pour les débutants. Et du coup on m'a dit, mais il y a un cours pour les débutants. Donc moi je ne suis pas dans la psychose, on n'est pas attaqué à tous les coins de rue, hein. Mais je m'étais dit que c'était bien d'avoir quand même quelques rudiments. Ne serait-ce déjà que pour savoir quelle position psychologique adopter. Donc c'est pour ça que je suis là. Et vous avez 73 ans? Oui, j'ai 73 ans.